culinaire. On s'est mis un Buffalo Grill, on a de la chance, c'est un resto. Regardez Eden. Il est beau. Oh, t'es en train de la perdre, mon gars. Waouh. Tu l'avais pas capté jusque-là. Ouais, il va te rendre compte qu'il a un truc sur la tête. Regarde. C'est une casquette d'Indien. Waouh, t'es un roi. Ah non, j'en veux pas finalement. On va la mettre en côté. Hop. Et voilà, chouchou. Et la petite Lily, elle est là-bas. Elle est en train de... Elle essaie de manger sa chouchou, mon cœur. Elle l'a perdu, la peau. Bon, ça y est, on est arrivé. Alors, je vais vous faire le room tour de notre appartement. Un joli petit loft. Alors, hop. On rentre, ça donne ceci. Et le truc trop astucieux qu'ils ont. Et je me dis, il faudrait trop qu'on ait ça. Regardez, c'est pour ranger les chaussures. Ça tient pas de place, ce truc. C'est trop bien. Oui, maman t'a montré quelque chose. Elle aurait pas dû. Donc, Eden a fait déjà sa petite vie. Donc, on a atterri dans la pièce de la cuisine. Donc, avec un joli bar central. J'aime trop cet effet pierre. Oui, oui, bah oui, j'aime bien. Regardez ce qui est en train de mourir là-bas après avoir monté les sacs. Hein, hein. C'est le pire que du sport. 4 étages, les bras pleins, axe 40 degrés. Donc ici, c'est en fait donc c'est un loft, donc on a les chambres, il y a un bureau. Là, j'ai mis du coup le lit d'Eden. J'ai mis un petit auvent devant, tout simplement pour le soir qu'on le tire complètement et qu'il soit un peu plus à l'ombre. Là, hop, on pousse, youhou, et on atterrit dans la salle de bain. Hello, salle de bain toilette, donc on a une jolie douche à l'italienne. Donc Lily Rose prendra sa douche avec moi, tout simplement. Voilà, Eden vous fait sa petite visite personnelle. Voilà, voilà, vous avez vu, c'est comme ça la douche italienne. T'es content? Tu vas aller faire une sieste, toi? Hein, mon cœur? Oui. Hop, donc après, ici, on a donc tout un bar pour manger. Donc, je suis en train d'essayer de faire charger une vidéo. Et là, donc, la cuisine, avec le frigo, le micro-ondes. Et là, donc, toute la pièce à eux. Donc, on tenait sur le petit canapé avec la télé. Il y a un premier lit ici, un deuxième lit là-bas. Donc, j'ai déjà installé le couffin de Lily Rose. Là, il y a son transat qu'il faut qu'on règle. Je vais la transférer après pour qu'elle soit dans son petit transat. T'es bien là? Ouais? En petite robe mini. Mais elle arrête pas de tirer dessus. Elle veut montrer ses fesses. Elle veut montrer ses fesses. Bon, on montre pas ses fesses. Et donc là, le deuxième lit. Et ici, un grand placard. Oui, mon cœur. Qu'est-ce que tu veux? Hop! Voilà, voilà. Donc un joli petit loft. On est bien content. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vous vos bons plans en vacances. Moi, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour cette location. Pour ceux que ça intéresse, pour passer par cet organisme, c'est Michozol. Oui, ça va, tu t'amuses? Ah, et on a une clim aussi, ça c'est cool. Boum! Ouais! Regardez-moi ce tabou. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait de toi? Hein? Donc voilà, donc là on passe par Michozol pour ses vacances. J'espère que je commence comme il faut. Pour ces 4 petits jours à Nice, puisque moi j'arrête pas de confondre Nice et Cannes, on a une petite terrasse là. Enfin, un petit balcon, plus juste à dire. Avec vue sur une, je dirais, un espace. C'est pas vu sur les routes en fait. Je suis bonne en agence immobilière, les filles, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc on va se poser tranquillement, on va essayer de mettre Eden à la sieste. Et je pense qu'après, tout à l'heure, on ira faire des courses. Parce qu'il y a une super app pas très loin pour y aller à pattes. On est sorti avec Eden, donc juste Eden et moi, on va aller faire les courses. Parce que Lily, c'est un peu l'heure de sa sieste. Et Anthony, il se repose un peu parce que c'est lui qui a fait toute la route et qui a monté toutes les affaires, donc il se pose tranquillement avec la puce. Et la dame chez qui on a pris l'appartement, enfin pas sa propriétaire mais l'agence, elle nous a dit qu'il y avait une petite supérette au bout de la rue. Du coup, on va pouvoir aller faire les petites courses avec Eden. J'ai juste pris un petit sac de surgelé parce que de toute façon, on est là que jusqu'à dimanche matin. À midi, on mange avec notre copine Sophie à Cannes et après on va sur Marseille. Donc, du coup, en gros, on a besoin pour 6 repas. Et s'il faut, on ira retourner faire 2-3 achats. Alors comment ça fonctionne ici? Les gens ne s'arrêtent pas aussi déplacés. Ok, bon. D'accord. On va aller chercher la petite supérette et on va faire le petit plein et après on va tout remonter. Bon, ce fut un sacré challenge de remonter toutes les courses. Je vous ai pas filmé tout de suite parce qu'en fait Lily Rose est malade. Du coup, on va voir comment se passe la nuit. Mais si la nuit est moyen, bah, on va abréger nos vacances. C'est vraiment dommage parce qu'on devait rester jusqu'à lundi. On devait aller à Marseille, c'est pas mal. Mais Lily Rose, pour vous raconter, en fait, je pense qu'avec le froid de Caen et le rechaud de chez nous, en fait, le chaud froid, elle a pas aimé. C'est la première fois qu'elle tombe malade, bon, à 3 mois. J'aurais aimé qu'elle se soit plus tard, mais bon, c'est comme ça. En fait, elle tousse et elle a la voix cassée. Et la voix cassée,
c'est quand même signe de il faut se rendre chez le médecin. Donc du coup là on a pris ce qu'il fallait. Alors je sais qu'il y en a qui sont anti-médicaments, je suis désolée, je suis à la pharmacie, je me suis renseignée. Donc elle a des suppos de doliprane et surtout le plus gros important c'est beaucoup beaucoup de lavage de nez pour pouvoir calmer son irritation au niveau de la gorge et de l'Advil parce que c'est ce qui est efficace pour la gorge. Parce que sinon si on va chez le médecin elle va être sous corticoïde, je sais plus c'est quoi le nom, j'ai peut-être une bêtise, mais enfin un médicament beaucoup plus fort et j'aimerais éviter de passer par cette étape parce que je trouve que le médicament est quand même fort pour des aussi petits bébés. Mais tout va être une question de savoir comment se passe la nuit, de si on rentre plus tôt ou pas. Donc c'est bête parce qu'on est quand même vraiment bien là et on avait envie de profiter. C'est pour ça qu'on avait fait le choix d'un appartement. Parce qu'en famille, avec des enfants bas âge, je trouve que c'est plus simple que tout ce qui est camping, c'est plus adapté. Je vais quand même vous montrer nos petites courses. Du coup, donc j'ai pris des petits princes au chocolat, du pain, des bananes, une boîte d'haricots verts, du riz. Hop, après tout le reste est au frais. Hop, je vais essayer d'ouvrir le frigo, ça sera bien. J'ai pris des yaourts pour nous, des compotes pour Eden. Donc moi, je prends souvent... Entre autres les maternes sans sucre ajouté, sinon j'aime bien celle de chez Goudou, mais il n'y avait pas. Un concombre, des tomates, je crois que c'est tout ce qu'il y a ici. J'ai pris pas grand chose parce qu'on n'est là que 3 soirs. Ensuite j'ai pris steak haché, des glaces, parce que bien sûr, qui dit vacances dit glace. Donc pour Eden, je lui ai pris des mini cornets comme ça, des tout petits cornets pour lui faire plaisir. Comme ça, il a droit à ses glaces. Ah oui parce que quand on est en vacances on peut pas les faire nous, c'est compliqué. Et j'ai pris des potatoes et des voilà, et comme je dis des steaks hachés. Et c'est déjà pas mal, s'il faut on ira racheter 2-3 trucs. Mais je pense que pour les repas où on est là ça devrait suffire. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still craving for. I'm still wanting more. Yeah. Si on a fini de manger, il n'y a plus Philly qui aura tout à l'heure un bibi du soir, théoriquement. Après, comme elle est malade, elle mange moins. Là, depuis qu'on lui a donné l'Advil, elle a fait une petite sieste. Alors, j'ai donné dosage en dessous, normalement, enfin, c'est au poids, je pouvais aller jusqu'à 5 kg. Comme elle fait 5 kg aussi, je préfère donner 4 kg un petit peu moins. Et franchement, ça lui suffit, donc je vais me contenter de ça. Déjà, c'est pas mal. Et là, elle est pas trop mal, franchement, elle couine pas, elle est contente. Ça fait du bien. Ouais. On se berce un peu. Elle a une jolie robe mini, je dis mini parce qu'elle est rouge à pois comme mini. Ouais. Ça va? Ouais, moi je suis contente, je lève les mains. Et tu sais qu'on te comprend déjà pas beaucoup, mais alors avec ta susu, on te comprend encore moins, Eden. Comme il n'a pas fait de sieste, du coup je lui laisse la susu le soir. De toute façon, il va pas tarder, je veux dire pas tarder à aller au lit. Il est quelle heure? 20h19, mais le problème c'est que Eden, lui, quand on n'est pas à la maison, il se couche pas tôt. Donc je pense qu'il dormira quand il sera fatigué. Plus que comme à la maison quand on a un rythme quoi. Où il sait que c'est l'heure de dormir, alors il reste calme et finit par s'endormir. Hein, monsieur Ninou? Hein, Eden? Alors du coucher pour Eden, alors on a installé le paravent là et un devant la fenêtre. Allez maintenant, tu t'allonges? Tu t'allonges pour lire l'histoire? Oui. Allonge-toi comme il faut. Là t'es à genoux, tricheur. On va lire le livre? On va lire l'histoire du soir pour faire dodo? Tiens. Oui, ça va être le livre. Oui, c'est maman qui va le lire, t'inquiète pas. My heart inside a box, threw away the key. You found your way under my skin. Now I come undone. The walls that I built
world's own weakest paper. My cat.